Oui, bon, c'est bon, d'accord. Je vous ai refait la même blague, mais figurez-vous que la vidéo avis en une seconde a fait presque le double de vues que la vidéo qui en faisait plus. Donc, comme vous l'avez vu en titre, je vais vous parler. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'Encanto, du coup, que j'ai vu seul. Hélas, Princesse n'avait pas pu se rendre disponible pour venir avec moi. Donc, du coup, elle a dit qu'elle attendrait qu'il soit sur Disney+. Donc, voilà. Après, si vous voulez son avis plus tard, on en reparlera probablement. Probablement. Mais là, voilà, je vais vous donner le mien. Donc, j'ai pris des petites notes. Alors, désolé si vous me voyez regarder à côté de temps en temps. Donc, sans spoiler. Alors. Je m'attendais à pas grand-chose, malgré que l'univers était intéressant, ensoleillé, etc. Et franchement, j'ai pas été déçu. Je le dis, d'habitude, je suis déçu des Disney. Enfin, comme je vous l'ai dit et redit et redit, je suis peut-être plus à l'âge où j'accepte tout ce qu'on me fait regarder facilement et qu'on prenne les enfants pour des cons, comme on dit. Et non, franchement, j'ai pas été déçu. Après, il est pas, pour moi, il est pas exempté de défauts. Mais déjà, au niveau musical, je le conseille vraiment. Il y a des choses dedans qu'on entend, qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, ou qu'on n'a entendu que quelques fois. J'en parlerai dans la section spoil pour absolument que vous ayez le plus de surprises possible. Comme d'habitude, et même en voyant les bandes annonces, si vous avez vu la vidéo d'Amy, elle se rapprochait énormément de la vérité sur ce qui se passait dans ce film, et en même temps, c'était pas très compliqué à comprendre. Encore une fois, je n'ai pas été surpris par les révélations, si on peut appeler ça des révélations. Limite, il n'y a pas de comment dire. Il n'y a pas de trucs qui te font dire, qui te surprennent, quoi. C'est vraiment pas le truc qui fait, oh, ah bon, c'est à cause de ça. Non, pas vraiment. Le truc, c'est, non, non, c'est un film qui se regarde, enfin, il est tranquille, c'est pas un film avec de l'action, c'est pas un film avec, c'est un film comme vous pouvez vous y préparer, c'est un film qui, il y a une vidéo qui va bientôt sortir d'ailleurs où je dis qu'on l'a pas encore vue parce que je sortirai cette vidéo sûrement avant, donc, ça va dissonner. Mais ouais, donc c'est un film qui vomit, encore une fois, comme j'aime dire, la famille, quoi. Vraiment, maintenant c'est plus l'amour entre deux personnes, c'est la famille et les bandes annonces, vous comprenez très vite. Enfin, il n'y a pas besoin de. Je pense que même un enfant de 10 ans peut comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le problème, pourquoi. Donc voilà, c'est dur d'avancer sans spoiler. Je regarde mes notes en même temps. J'ai rien oublié, non, je crois pas. Donc voilà, il faut le voir, vraiment, je le conseille beaucoup plus que. Alors que En Avant m'a un peu déçu, par exemple, il est bien, mais il m'a un peu déçu. Je sais plus, Soul m'a vraiment déçu. Lui, c'est la première fois depuis un moment qu'un Disney m'a pas autant. Je vais pas dire surpris, parce que clairement il m'a pas surpris, mais je l'ai bien aimé et je le reverrai avec plaisir, parce que franchement, bien. Voilà. Même Lucas m'avait déçu d'ailleurs, Lucas. Donc voilà, donc maintenant attention, on va passer à la partie spoil. Donc attention, je vais vraiment spoiler sévère, même si comme je l'ai dit, pour moi il n'y a pas vraiment de spoil parce que tout est déjà dit. Le problème qu'avait cette maison, donc c'était vraiment le fait que y avait un problème au niveau de la famille. Ils oubliaient leur famille et se concentraient sur leur pouvoir. Donc pour faire le speech que j'ai pas fait dans la section no spoil, mais tous les gens qui sont intéressés par le film ont vu les bandes annonces. En gros, c'est tous les membres de la famille qui ont un pouvoir, qui sont censés aider le village où ils sont. Alors personnellement, je vois pas l'utilité de certains pouvoirs. Genre la fille qui peut entendre à l'autre bout du village, elle peut entendre les gens qui commencent à se préparer pour aller chez eux. Je veux dire, c'est plus de l'espionnage et du voyeurisme pour moi. Donc je trouvais que c'était pas vraiment utile. Parce que peu de fois où ce pouvoir est utile, en fait, c'est soit pour cafeter. D'ailleurs, vive la famille, hein. Ils sont 6 à se faire une chaîne de oh, faut pas le dire, mais blablabla. Oh, faut pas le dire, mais blablabla. Jusqu'à ce que ça arrive à la vieille, là. Enfin, tu te dis, mais. Mais arrête de vouloir défendre ta famille, c'est tous des crevards, quoi. Mais non, non, ils sont tous sympathiques, mais il y a des. Voilà, c'est les incohérences qui font rire quand on est petit, mais quand on est grand, on se dit. Hein, voilà, quoi. Donc, oui, du voyeurisme, parce que, genre, celle qui peut entendre, là, elle entend quand un œil cligne à l'autre bout de la maison. Il y a beaucoup de couples dans cette maison, donc vous êtes adulte, ou même si vous êtes adolescent, vous comprenez bien qu'il y a des couples. Donc ça veut dire qu'il y a des bébés qui se font, je veux dire, t'es pas à l'aise avec une fille comme ça qui entend quelqu'un à l'autre bout de la planète, quoi, enfin à l'autre bout de la ville. Donc voilà, c'est pas un pouvoir que je trouve très utile. Celle qui peut faire tomber la pluie et le beau temps, là, bon, c'est vraiment plus utilisé pour le gag, en fait.
Sinon, ça sert à pas grand-chose, étant donné que voilà, elle a un nuage au-dessus de la tête. Bon, vous allez dire que je critique à fond, mais là, je vous dis vraiment les points négatifs en premier. Enfin, les points négatifs, non. C'est que ça apporte pas des trucs de fou à l'histoire. D'ailleurs, on s'attend bien, parce qu'on n'ait pas le temps de s'attacher à tous les personnages, que tous les personnages aient beaucoup de profondeur, parce qu'ils sont énormes, ils sont énormément. Je sais pas combien ils sont, mais ils sont 6 ou 7 à être dans la maison, à avoir des pouvoirs et tout. Qui c'est qu'il y a d'autres ? Il y a le petit cousin qui, lui, bah, du coup, peut... parler aux animaux, mais c'est très étrange parce que c'est plus que ça, en fait, c'est que tous les animaux sont attirés vers lui et voyez des banquets où il me semble qu'on voit vraiment de la viande en plus, et puis il y a un... ça veut dire que les animaux sont aussi intelligents que les humains, vu comment ils échangent et ils parlent et tout, donc voilà, ça crée encore une dissonance là-dessus, et pareil, quelle utilité réelle avait pour le village? Et le village pareil, est-ce qu'il profite pas trop de cette famille? Du style, c'est un peu comme si c'était la mairie avec des gens qui ont des statues, et dès le moment où la magie commence à se fêler, tout le monde... Oh, mais on s'inquiète pour la magie! Oh là là, nous on a la flemme de porter nos ânes tout seuls, comment on va faire si vous avez plus de magie? Explique. Voilà, c'est un peu le côté, le village dépend de pouvoirs qu'ils n'ont pas vraiment besoin. Isabella, donc une des deux sœurs les plus mises en avant, celle qui peut faire des fleurs et tout ça, vraiment je pense un personnage très... comment dire, calqué sur Elsa, c'est-à-dire un personnage qui a une facilité à faire de la magie, et c'est très beau, parce que c'est des belles fleurs et tout ça. D'ailleurs, en parlant de Elsa, il y a encore un petit clin d'œil à la Reine des Neiges dedans, à un moment, en VO, vous entendrez sûrement, Let It Go. Voilà, bon, c'est dit à un moment, bon, c'est pas grave, hein, mais bon, c'est bon, c'est pas la peine de nous rappeler tout le temps qu'il y a la Reine des Neiges, on le sait, on a bien assez vu, on la verra encore très longtemps. Donc voilà, cette Isabella qui voilà a un côté très diva, très on pouvait s'y attendre, qui et je viendrai plus tard comme on est dans la version spoil sur ce qui se passe après pour elle précisément. Il y a Louisa il me semble, alors elle, il y a un truc qui m'énerve avec elle, c'est que c'est la fille super forte qui peut tout porter, machin et tout ça. Et un truc qui m'énerve avec elle, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'on peut le montrer, elle a toujours un truc, elle porte toujours quelque chose. Et ça, c'est un truc qui m'énerve un peu, parce que je dis, c'est bon, on connaît son pouvoir, on n'a pas la peine de montrer qu'elle porte toujours un sac, toujours un âne, toujours un truc. Ah, vous allez dire que je chipote, mais voilà, c'est... J'aime examiner les films que j'aime, et j'ai vraiment aimé ce film, alors voilà. Qui c'est qu'il y a d'autres? Donc il y a beaucoup de... Il y a un gamin qui a des pouvoirs incroyables, et ça sert presque à rien, vraiment, c'est juste pour la blague, encore une fois. Et à quoi ça sert pour le village, à part de l'espionnage? C'est le gamin qui peut prendre la forme de qui il veut. Voilà, il y a quelques blagues, comme quoi parfois il a une tête de bébé quand il contrôle pas trop son pouvoir. J'ai pas trop compris l'intérêt de ce pouvoir. Même Mirabelle, à un moment, elle aurait pu demander à certains membres de sa famille de l'aider. Rien du tout, elle se débrouille toute seule. Ce qui est pas plus mal dans un sens, mais c'est juste que je trouve que les pouvoirs n'ont aucun intérêt, à part apporter de la beauté ou dans les clips. Et donc on a Bruno, donc là c'est le seul vrai spoil du film d'après moi. Bruno, donc l'oncle soi-disant qui avait disparu, mais franchement dans la première musique, on va revenir sur les musiques plus tard, dans la première musique on entend, on comprend qu'il va être là. Dans beaucoup de musiques, dans beaucoup de Disney, je les ai pas là en tête, mais on dit mais il y a lui qui a disparu. Eh ben c'est pas dans une musique, mais c'est dans les mondes de Ralph où on dit oh, il y a Turbo, mais il a disparu. Ah ouais, il va pas du tout revenir. Ouais, non, bah là, on sait très bien que Diego va revenir. Beaucoup de gens auraient pu penser que ça allait être le méchant, mais on comprend très bien que c'est pas le cas. On sait que ça va être un film sur les valeurs de la famille, du coup on va pas imaginer un oncle méchant, c'est impossible. Qui lui a un pouvoir aussi très intéressant. Bah de voir l'avenir tout simplement, enfin c'est pareil, c'est un avenir mais qui peut être vu de différentes façons, comme beaucoup de pouvoirs de voyance, c'est une vision, voilà, c'est une vision qui lui a un pouvoir voilà très puissant. Je réfléchis, voilà, l'utilité à la ville aurait été plus intéressante aussi, et il me semble que j'ai fait le tour des pouvoirs. Bon, la grand-mère elle a pas vraiment de pouvoir, c'est plus à se demander si c'est pas quand elle va mourir, si la bougie qui leur apporte la magie va s'éteindre, parce que sur la porte de la grand-mère, elle a la bougie. Donc elle qui n'a pas de pouvoir, est-ce que la bougie n'est pas liée à elle? On sait pas trop. Donc pour revenir du coup à cette bougie, alors les raisons sont inconnues totales. On pourrait penser que la magie viendrait d'un papillon. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, c'est même pas un spoil, on sait pas, mais la magie viendrait d'un papillon, on sait pas pourquoi. Mais on sait pas du tout d'où vient cette magie, c'est juste une bougie qu'ils avaient au moment où donc le grand-père est mort, le grand-père qui se met face à quatre hommes, ne passez pas, avec une épée,
même pas d'épée, non, rien du tout. Tu te dis, ouais, bof. Bon, ça fait très bizarre, par contre, de voir une héroïne, du coup Mirabelle, dont les deux parents sont vivants, et on les voit tous les deux. Ça fait presque bizarre, parce que franchement, il n'y a vraiment pas beaucoup de héros Disney qui ont leurs deux parents. Bon, là, il lui manque un grand-père, mais... Franchement, ça passe, quoi, par rapport au reste. Qu'est-ce que je peux oublier? Désolé, je regarde. Et forcément, au moment où je regarde, mon ordi se met en veille. Vous imaginez la blague. Donc, on peut parler des musiques. Donc, c'est un film avec beaucoup, beaucoup de musiques. Mais elles sont bien, franchement. Il n'y en a pas trop qui sont... Il n'y en a aucune où j'ai fait... Comme la chanson d'Elsa dans La Reine des Neiges 2, par exemple. Non, elles sont pas envahissantes, elles font rentrer dans l'univers comme l'a bien fait Moana, d'ailleurs. Donc la première est vraiment cool, donc c'est là où on apprend que Bruno Appé est parti. Et ça m'étonne, voilà, que ça, c'est, ça me sort un peu du film, le fait que tous les enfants de la ville, mais quel est ton pouvoir, Mirabelle? Mais quel est ton pouvoir? Oui, mais le tien! Ils le savent, Mirabelle, allez, je sais pas, elle est assez grande, elle a peut-être pas 18 ans, mais elle a pas 14 ans non plus. Donc me dis pas que tous les enfants ne savent pas que Mirabelle n'a pas de pouvoir. Enfin, c'est voilà. Encore une fois, dès le début, grâce à cette musique, grâce à tout ce qu'on en savait, on savait que Mirabelle, elle a pas de pouvoir, mais c'est elle qui va sauver la famille. Voilà, est-ce que c'est un spoil? C'est même pas un spoil, c'était évident, là-dessus aucune surprise. Après on a la musique, donc je vais pas les dire dans l'ordre, mais une qui m'a marqué c'est celle donc sur Bruno, alors que Bruno n'est pas là, mais en VO du coup ça marche bien parce que Bruno, il faut pas parler de Bruno, voilà. Alors qu'en français, voilà, c'est le côté est moins rigolo, mais ce que j'adore dans cette musique, ils le font aussi dans les autres, mais dans cette musique il y a presque tous les membres de la famille qui chantent en canon, en délai, en dissonant, et j'adore, ça rend trop bien, je crois que j'avais pas vu ça depuis Mulan, et encore Mulan, c'est... Alors, ils ont dû le refaire, mais pas autant, là il y a vraiment plein de voix de pratiquement tous les membres de la famille qui dansent et qui tournent autour d'une table, et ça rend trop bien. Et là, ça m'a souligné un truc, je me dis, mais attends, Mirabelle, elle parlait avec une personne, et en un seul coup, c'est comme si toute la famille avait entendu une conversation qui devait plus ou moins être secrète, et qui chante ensemble, et puis hop, le scénario continue. Et c'est là où on se dit, attends, c'était dans la tête à Mirabelle, où tous les personnages disaient qu'il faut pas en parler, ou c'est tout le monde qui est arrivé, on n'en parle pas, là 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 là, je sais pas. C'est bon, c'est pas très grave, mais c'est juste que c'est magnifique à ce moment-là. Après, on arrive à un truc, toujours dans les musiques, où on est avec les deux sœurs qui sont le plus mises en avant, donc Louisa et Isabella. Donc avec Louisa, on est dans le côté non, je dois être forte. Et puis il y a un truc rigolo dans sa musique, je pourrais pas vous le dire, mais genre et ça goûte goûte goûte. Voilà, il y a un côté répétitif dans un des mots dans chacun des refrains, et c'est un côté qui j'ai bien aimé. C'est je pensais pas que sa musique allait être aussi sympa, et pareil. Du coup, c'est un film où chaque qu'une des musiques a été faite pour pouvoir faire un clip à part du film. Ça veut dire que quand Louisa ou Isabella commence à chanter, il y a tout un monde autour qui se crée, mais un monde bah, comme un clip, quoi, un peu comme La Belle et la Bête 2, Histoire. J'adore cette musique, n'est-ce pas? Je crois qu'elle s'appelle Histoire. Oh, je me souviens même plus, bon, peu importe. Et il y a vraiment tout un monde. On voit des montagnes qui se créent, on voit Louisa qui saute de montagnes, qui porte le poids, parce que... Et c'est là où vous comprenez tout le film encore plus facilement. C'est du style, elle a beaucoup sur les épaules, on compte beaucoup sur elle, et pour elle, c'est difficile. Et Louisa, et du coup, quand on voit l'épisode, en gros, d'Isabella arriver, on se dit, ouais, bah, ça va être pareil, c'est du style, bah, il faut être parfaite, il faut être belle, et en fait, elle veut faire autrement. On comprend à la seconde qu'elle voulait pas vraiment se marier avec le mec. Et dès qu'on voit pousser le cactus, on se dit, bah voilà. Et même elle s'en rend compte, elle dit, c'est magnifique, parce que c'est pas droit, c'est pas... Et du coup, voilà, il y a une évolution de personnage qui est bien, mais qui va, à mon sens, trop vite, et qui est logique, quoi, qui était prévisible. Et pareil, au début, elle fait que des belles fleurs, des machins, et à la fin, elle fait des cactus, elle fait genre des mauvaises herbes et tout, et c'est très très joli, et elle est toute belle tout le long, et alors à la fin, bah, elle se salit, elle est toute dégueulasse, enfin toute dégueulasse de pollen, limite, mais bon, ça se voit qu'elle est beaucoup plus épanouie et moins coincée. Là-dessus, le personnage, j'adore ce qu'ils en ont fait. Limite, j'aurais préféré que Louisa ait un meilleur développement, parce que, limite, elle se... tout le long.
Alors que l'autre, le fait que ses pouvoirs deviennent un peu n'importe quoi, bah, elle est toute heureuse, quoi. Désolé, hein, je me perds, j'ai encore fait une vidéo d'une heure, mais c'est que j'adore parler des films que j'ai aimés, donc qu'est-ce que je dis? Donc voilà, on sait que Bruno va revenir, donc voilà, pareil pour Isabella, bon, sa chambre est toute en fleurs, donc déjà, l'univers était différent, alors que quand Louisa chante, c'est dehors, mais c'est vrai que dans le, y a quand même tout un monde qui se crée autour de la musique de Louisa, quand même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, la maison. Donc chacune des pièces est magique. Encore une fois, c'est le syndrome Docteur Wu. C'est d'ailleurs, il y a un moment où la grand-mère, elle dit, il faut trouver Mirabelle. Alors la maison, vous rentrez, c'est une espèce de maison. Vous rentrez, c'est plus, ça ressemble à un hôtel en fait. On voit toutes les portes de toutes les chambres. Et trouvez-la. Alors je suis d'accord que les pièces sont grandes, mais tu cries Mirabelle, t'es où? T'ouvres toutes les portes une par une, tu la trouves quoi. Mais non, il y a un côté où il faut trouver Mirabelle. Donc la chambre, c'était une très bonne idée, j'aurais bien aimé toutes les voir, parce qu'on en voit que 3, si je dis pas de bêtises, sans compter celle de Mirabelle qui est une chambre basique. Ah oui, il y a un truc qui m'a marqué quand on a été dans le passé, et qu'on a vu la grand-mère avec ses 3 triplés, enfin ses 3 jumeaux, ses triplés, qu'est-ce que je raconte? Qu'on la voit avec ses triplés, et comment elle sait, alors qu'elle est encore fine comme Princesse Mac, quoi, comme ça, elle sait qu'elle va avoir 3 bébés. Alors, je sais pas en quelle époque ça se passe, on voit pas de télé. Bon, à un moment, il y a une espèce de parodie, on voit des rats qui ont, voilà, chez Bruno, pour montrer qu'il fait un substitut à la télé. Alors, on sait pas, j'y me sens pas avoir vu de télé, à mon avis, ça se passe dans le passé assez lointain, quoi. Et j'ai perdu ma phrase. Qu'est-ce que je voulais dire? Et pourtant, voilà, elle réussit à savoir qu'elle a 3 bébés. Alors que j'ai des amis dans mon entourage qui attendent un bébé, et ça se voit même quand on a un au bout de 1 mois, et là, on voit rien. Donc voilà, bon, c'est un petit détail à la noix encore. Je pense qu'ils ont fait exprès de faire en sorte qu'il y ait une grande famille pour qu'il y ait directement plein de personnages avec plein de pouvoirs, quoi. Et les cousins, d'ailleurs j'ai adoré ça, c'est une famille super métissée, vraiment. Genre, comment dire, Mirabelle, elle a un côté un peu mat, mais elle a un cousin qui est vraiment, vraiment noir. Elle a elle a une sœur qui est métisse mais plus claire, enfin métisse, une cousine métisse mais plus claire. D'ailleurs, il y a le personnage de la tante, je crois, qui fait pleuvoir tout le temps au-dessus d'elle, elle me fait super penser à un personnage Tim Burtonien, un peu ce côté un peu déglingué avec les cheveux tarabiscotés. J'ai bien aimé ce personnage qu'ils ont pas mis en avant, mais qu'il fallait s'y attendre. Bon, on sait très vite que c'est la vieille qui va faire chier son monde, hein, ça on le voit tout de suite, hein. Excusez-moi des mots, hein, mais c'est la vérité. Comme on la voit, on n'a pas envie de l'aimer, on sait qu'elle va embêter Mirabelle. Alors c'est très cool à la fin que la grand-mère se rende compte toute seule que ça vient d'elle le problème. Vraiment, enfin, Mirabelle lui envoie par la tête, mais elle a pas trop besoin de se défendre et elle va la voir, elle dit tu as raison, et en fait elle a attendu toute sa vie un signe de son ex-mari, machin, et en fait ils se sont rendus compte qu'il fallait un membre de la famille qui n'ait pas de pouvoir pour se rendre compte que la famille doit passer avant. Même s'il y a un côté où on se dit Mirabelle, pourquoi est-ce qu'elle a... Mirabelle essaye de dire moi aussi je veux un miracle, je veux un truc et tout ça, il y a un côté légèrement égoïste là-dessus, mais bon, elle est toujours mise en avant et pas aimée, donc limite elle aimerait un pouvoir pour rentrer dans l'estime de sa grand-mère, donc ça va. Qu'est-ce que j'ai marqué? À la fin, c'est cool, on s'y attend quand il y a celle qui entend bien, j'ai oublié son nom, et du coup l'ex de sa sœur qui veulent se mettre ensemble, et du coup épouse-moi, on va attendre, c'est bien. Voilà, il y a ce côté, mais il fallait s'y attendre aussi, le côté où voilà, on se calme, le mariage, on va pas sauter dessus tout de suite. Donc on suppose, à la fin j'ai adoré le fait qu'ils reconstruisent la maison d'eux-mêmes. Alors ça c'est génial. La maison d'ailleurs, je pensais que elle faisait partie de la magie, mais pas du tout. C'est la magie qui vraiment, je pensais que la maison allait essayer de dire allez aidez-moi, il faut enlever. Ben non, vraiment la maison est vivante, mais c'est pas elle qui apporte la magie, c'est vraiment la bougie quoi. Et je pensais même que Mirabelle, son pouvoir c'était d'être proche de la maison, mais pas du tout, parce que la maison écoute plus la grand-mère quand elle dit viens là. Et la maison rapproche Mirabelle d'elle. Et voilà, c'est un côté... Je me suis dit, ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé que Mirabelle ait ce petit plus sur la grand-mère, mais non, c'est vraiment la maison, elle écoute la doyenne. Et d'ailleurs, si c'est la maîtresse de la bougie, quelque part, c'est logique. Voilà, le vrai pouvoir de Mirabelle, c'est vraiment bah, d'unir la famille. Voilà, c'est de faire passer leur famille avant leur devoir. Mais je vous dis, leur devoir, mis à part Louisa qui aide à porter des trucs...
pour moi, c'est pas très crédible. Encore que... Ah oui, il y a la maman aussi de Mirabelle, du coup, qui peut soigner grâce à sa cuisine. Mais genre, soigner vraiment super rapidement, quoi. D'ailleurs, ça m'a étonné, quand Mirabelle se fait blesser, qu'elle dise, ah, mais je pense que c'était pas un rêve, elle se fait soigner par sa mère et elle a la blessure. Je m'attendais trop, du coup, là, ça m'a surpris, parce que je me suis dit, elle est bête, Mirabelle, ou quoi? Elle a vu la blessure, je sais pas si c'était un rêve. T'étais blessée, tu saignais, c'était pas un rêve. T'en as même pas parlé à ta mère de ce truc. Et à la fin, par contre, j'ai trouvé ça génial que voilà, il n'y ait plus qu'une porte avec toute la famille. Ça, c'était nickel, vraiment. Ça m'a fait moins pleurer, ça m'a pas fait pleurer comme d'autres Disney, d'autres films qui ont mis en avant la famille. Mais non, j'ai trouvé ça nickel pour le coup. Il faut avouer quand même que c'est un film qui peut donner plein de spin-off parce que qui n'a pas envie de voir, peut-être pas un film, mais une petite série ou un petit court-métrage sur Isabella, sur Louisa ou sur d'autres personnages qu'on a moins vus. Voilà. Alors, je crois que j'ai fait le tour de tout, même si, voilà, tout est douteux au niveau d'autour de la création de la magie. Je crois que j'ai parlé de tout sans trop regarder mes notes, ça va. Excusez-moi, hein, j'aurais pas fait beaucoup de montage pour vous sortir cette vidéo assez vite, parce que j'aimerais que vous ayez notre vidéo avec Princesse Vendredi. On voit très bien que Mirabelle console tout le monde alors qu'elle est pas sûre. Elle pense que c'est que sur Isabella grâce à une vision. Mais on voit très bien qu'elle est en train de consoler tout le monde à dire mais non, machin et tout ça. Donc vite que les persos sont coincés, comme j'ai marqué, les persos sont coincés par leur pouvoir et leur devoir. Donc voilà, les villageois qui comptent beaucoup sur la famille. Quel est vraiment l'enjeu de tout ça? On sait pas trop. À la fin... Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose que du coup tout le monde retrouve ses pouvoirs. Vous voyez? Je sais pas. Bon, ils ont tout construit sans leur pouvoir. C'est une chose. Bon, mis à part celui de Louisa, peut-être je vois pas trop lequel aurait pu vraiment aider. Mais j'ai trouvé ça... Voilà, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Parce que ça aurait pu leur montrer que bah, ils ont pas forcément besoin de pouvoir. Pour après, peut-être que si la grand-mère meurt, ça disparaîtra avec elle. Ça, c'est vrai qu'on sait pas encore. Et on saura peut-être jamais. Mais voilà, je sais pas si c'est bien ou pas bien. C'est bien parce que voilà, quelque part ils sont récompensés de voilà. Pourquoi Mirabelle on n'aurait pas eu un dans ce cas-là? Bon, tout le truc était du fait qu'il n'y avait pas besoin de pouvoir pour être exceptionnel. C'est encore une fois quelque chose pour mettre en avant pour aussi rassurer des gens dans la vraie vie, hein, qui se sentent un peu en retrait. Et bah, ça serait, du coup, ça serait un peu du déjà vu là-dessus. Mais comme j'ai dit, c'est pas un film, je le vois pas comme un chef-d'œuvre globalement. Mais au niveau musical et tout, non, non, il dégage vraiment quelque chose. Comme quoi un film peut être très bien sans forcément avoir des retournements de situation ou des surprises. Voilà, bon, ça a été assez long comme ça. J'espère que j'ai fait le tour. Sinon, je mettrai en commentaire des petites choses que j'aurais pu oublier. N'hésitez pas à poser des questions sur certains détails, peut-être en commentaire. Mais attention, évitez vraiment les spoils en commentaire. Ça serait vraiment super sympa. Vous mettez spoiler et vous faites beaucoup d'espace. Et pareil, je vous répondrai spoiler, blablabla. Mais ouais, franchement, je pense que je vais réécouter les musiques pas mal de fois parce que j'ai vraiment bien aimé. Et voilà, c'est un Disney qui change et qui m'a surpris parce que je l'ai bien aimé, voilà. Désolé si je me suis répété encore une fois, j'ai pas pris le temps d'écrire une grosse vidéo comme j'avais fait pour Cruella. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve ben, vendredi si tout va bien pour une vidéo avec Princesse et je vous fais des gros bisous.